La rentrée politique approche. Au PS, le congrès du Mans en novembre prochain se prépare déjà. Arnaud Montebourg, l'un des animateurs du courant Nouveau Parti Socialiste, a appelé à une nouvelle majorité à la tête du parti autour d'Henri Emmanuelli et Laurent Fabius, qui ont défendu le non lors du référendum sur la Constitution européenne. Arnaud Montebourg a lancé cet appel lors de la fête de la Rose, qu'il organise tous les ans sur ses terres, à Frangy-en-Bresse, en Saône-et-Loire. Patrick Machuret, Loïc Lemoigne. Ça va ? Arnaud Montebourg est un homme heureux. Cette année, sa traditionnelle fête de la Rose de Frangy-en-Bresse a une couleur particulière. L'homme et son courant, le Nouveau Parti Socialiste, sont très courtisés. Dans quelques semaines, ils seront peut-être les arbitres du congrès du Mans, qui désignera pour 3 ans la nouvelle direction du PS. Et le député de Saône-et-Loire est clair, il faut changer d'équipe. Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir si on ne transforme pas le Parti Socialiste. Voilà. Et tout le travail que nous avons fait pour plusieurs années a consisté à construire un outil de transformation du Parti Socialiste. Changer de cap, de direction, ses partisans sont du même avis. Les dirigeants actuels du parti, les Hollandais, qui ont défendu le oui au référendum, ne sont plus légitimes. Ils doivent passer la main. Une nouvelle majorité avec des équipes renouvelées et une orientation politique qui soit vraiment ancrée à gauche. Les Français attendent de vraies réponses à leurs questions et moi je suis un petit peu désolé et je vais éviter la langue de bois, je suis un petit peu désolé de voir ces querelles déchirer encore une fois le parti. Après le repas à la tribune, Arnaud Montebourg remet le couvert, le Parti Socialiste doit évoluer pour revenir au pouvoir. Choisir des candidats dans le tumulte des querelles, des affrontements personnels n'a aucun sens si le congrès est un congrès où il n'y a pas de transformation de la ligne du Parti Socialiste. Pour Hubert Védrine, invité à parler d'Europe, les querelles d'avant-congrès restent un classique du genre. Dans la vie politique, c'est normal que les idées soient incarnées par des gens. Donc on ne peut pas demander que tous les membres d'un parti soient tous d'accord, ça n'a pas de sens. D'ici le congrès, Arnaud Montebourg veut s'allier à Laurent Fabius et Henri Emmanuelli, le camp du non au référendum, une stratégie qui divise son courant et l'oppose à Vincent Peillon.